Salut les Face, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de WVSM. Aujourd'hui, pour la continuité, on va avoir une e-tech box du mois de... Non, du mois d'avril. See you guys. On a toujours notre super belle boîte qui ne changera jamais. Trop trop belle de la e-tech box. Ah, eh ben, j'aime recevoir des trucs, ça va être cool. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme petite surprise? J'espère de bonnes. Du coup, on a toujours le t-shirt en premier lieu. J'ai déjà vu des trucs. Hein, ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit le commencement du t-shirt. Ça commence... Oh! Avec une petite bestiole juste en haut là. Voici le t-shirt. The White Wolf. C'est un t-shirt de The White Wolf. Et je sais pas ce que c'est. Du coup là, le t-shirt The White Wolf, qui est plutôt sympathique, moi j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que c'est The White Wolf, mais c'est pas grave. Franchement, e-tech, je crois qu'ils se sont donnés. Hein. Allez, première chose, allez. Un verre. Un verre de The Hulk. Voilà, là, là, là. E-tech, e-tech. Non, lâche-le. J'arrête de regarder. Ah, je vois des trucs là. Je suis déjà fou. Fou. Oh, un big verre de The Hulk. Ah, ça en floutait, on s'en fiche. Vous voyez en gros l'esprit. Non, franchement, je suis content là. Je suis bien. On va prendre les trucs pourris là. Alors, on a le fameux poster. Il semblerait qu'on... De toute façon, on aura toujours des posters, on dirait. Hein. On va voir, hein, on va voir au fil des vidéos si on aura toujours des posters. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais me faire un sous-test, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça vient pas de... The Witcher. Ah! Ah, c'est peut-être en rapport The White Wolf. C'est vrai que ça peut être de The Witcher. Parce que je crois que je vois par rapport aussi, par rapport au podentif. On voit un petit loup blanc. Du coup, ça doit avoir rapport avec The Witcher. J'ai un pote. Il regarde cette vidéo. J'en suis sûr, il regarde cette vidéo. Il va m'insulter. Il dit, parce qu'il est à fond sur The Witcher. Il va dire, putain mec, tu connais pas, tu reconnais pas et tout. Ouais, bah c'est ça. On va voir. Parce qu'on a deux contenus. Du coup, on a deux Mystery Mini Marvel. Ah, attends. Ah non, on a un Mystery Mini Marvel et on a une sorte de best-of... Best-of quoi? Best-of Bethesda. C'est peut-être un... je sais pas. Bethesda. Il paraît que c'est super connu. Bon, on va voir ce qu'on a. Hein? Une marque de jeux vidéo, mais c'est quoi comme marque? Ah donc, ah ouais, c'est un truc qui combine plusieurs jeux vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Wow. Les armes, je suis excité. J'aime cette box. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chien. Du coup, nous avons le petit chien que je ne sais pas d'où il vient. Et je vais sûrement me faire un photo. Du coup, on va faire d'une... Du coup, Marvel, une licence que je connais un peu plus quand même. Du coup, c'est le même principe du petit sac poubelle noir, hein. Trop sexy. Du coup, nous avons... On a Hulk. Hey, GG ma gueule. Du coup, voilà. Nous avons le petit Hulk. Sympathique et un petit chien, peut-être de Fallout. Ah, on a le petit Pins. Le petit Pins qui fait penser à Minecraft. On voit pas bien, mais ça fait penser à Minecraft. Du coup, on a le petit Minecraft. C'est ma soeur qui marronne là, parce que là, elle est fan de Minecraft. Du coup, si tu vois cette vidéo, et oui, j'en ai, j'ai une petite box qui doit aussi être un truc. Je fais une mise, ouais, j'ai que des mini trucs, mais je dois avoir une figurine Minecraft. En plus, on doit le monter soi-même. Allez, c'est parti, les gars. Du coup, on ouvre ça. Aïe, 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 aïe
me mettre ça là-dessus parce que sinon vous allez rien voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ça a l'air sympathique! Une sorte de grosse bestiole, on dirait un dragon. Du coup, ça c'est mon petit terrain. On voit pas bien, on a un petit terrain. Un petit bonhomme. Ouais, on fait ça en direct, hein, on n'a pas le temps. Alors le petit dragon qui est, je pense, un petit peu moins joli que le petit bonhomme. Avec du diamant. Le petit bonhomme en full diamant, armure diamant, épée diamant. Déjà. Du coup j'ai un... Hein? Ouais, tu connais ça? Du coup j'ai l'Under Dragon. Ouais, c'est ça, c'est marqué. L'Under Dragon Fight. Hein? Il y a un boss dans le jeu Minecraft. Genre, il y a des boss. Oui. Ah bon? En fait, le but du jeu, c'est de tuer l'Under Dragon. Ah ouais? Ouais. J'aime bien. Du coup, voilà, les enfants. Il semblerait que dans Minecraft, il y a vraiment un objectif. Un objectif. Non, mais attends, il n'y a pas que moi qui pense qu'il n'y a peut-être pas d'objectif dans Minecraft, que tu fais juste craft et voilà. Ouais, j'essaye de faire ça. Oh, mais les trucs, c'est... Faut pas des enfants pour mettre ça. Du coup, ça ressemble à peu près à ça. Du coup, nous avons le Drake. Avec... Ouais, y a pas le zoom, mais bon, voilà. En gros, ça donne ça. L'Under Dragon contre le petit joueur de Minecraft en vêtements platine. On a... Un Death Trooper Carrying Light. Un petit porte-clés qui s'allume. Quand tu vois le petit derrière là. Hein, c'est vert et tout. Attention, c'est vert. En fait, t'as un petit bouton qui s'allume. Porte-clés pour y voir. C'est trop stylé. Ça fait trop Star Wars ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Allez. On n'a pas le temps. Et en plus, deux figurines pop. Star Wars et Geek of Wars. On a une super figurine dans laquelle on a le Jedi Phoenix, le Jedi Phoenix, badass, attention, on rigole pas. Et on a un super Fast Order Flame Trooper. Du coup, on a un super trooper qui lance des petites flammes avec la tête qui bouge. Il est stylé en plus, il est stylé, beau et tout. J'ai kiffé cette ouverture. Quelle note que je donnerais à cette Hit Xbox? Alors, on peut pas mettre du 5 et 5, pourquoi? Parce que c'est vraiment gardé pour genre le waouh. Bon, quand j'ai vu la boîte, j'ai ouvert, j'ai fait waouh. Quand j'ai vu toutes ces boîtes de figurines, j'étais tout content, quoi. Je me suis dit waouh, une bonne Hit Xbox. Mais du coup, je vais lui mettre quand même, allez, un petit 4,5. 4,5 sur 5, parce que vraiment, ça a été du top, top. De ce que j'ai aimé le plus, sans ordre, c'est vraiment le porte-clés, le vert, le t-shirt, le petit trooper, flame troopers, et le petit Minecraft pour faire rager ma soeur. La prochaine, ce sera Nathan qui va faire la E-Tech Box. D'ici la semaine prochaine. Là, ça va être un peu plus à la boue, mais Inch'Allah, ok? Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis chouchou les faces.